Dans une interview, Laurent Kérusé a annoncé avoir retrouvé l'amour. L'acteur de Plus belle la vie fait de tendres confidences sur son nouveau compagnon. Un homme heureux. Si est-il dans les colonnes de Voici que Laurent Kérusé a annoncé avoir retrouvé l'amour. À bientôt 50 ans, l'acteur popularisé pour son rôle de Thomas Marcy dans Plus belle la vie n'est donc plus un cœur à prendre. Une confidence qu'il a fait alors que t'es fait un parallèle entre sa propre vie et celle de son personnage, qu'il campe depuis le lancement du feuilleton, et qui est marié depuis 2013 à Gabrielle Riva, Joachim Latsko. Il ne savait pas qui j'étais quand on s'est rencontré. Laurent Kérusé aurait annoncé être en couple, j'aurais voulu me marier et avoir des enfants. Thomas a tout, moi je n'ai pas rien, lance Laurent Kérusé en riant à nos confrères, avant de faire part de quelques regrets. J'ai réalisé que je n'ai pas pris de temps pour ma vie perso, a déploré le comédien. Mais heureusement pour lui, la vie est aujourd'hui plus belle, comme le chante le feuilleton désormais diffusé sur TF1, ce n'est pas grave, je suis très heureux aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe très simplement. Il ne savait pas qui j'étais quand on s'est rencontré. Et je peux vous dire que ça change la donne, explique-t-il à propos de son nouveau compagnon. L'occasion également de revenir sur ses projets d'adoption, qu'il avait évoqués dans la presse. Laurent Kérusé explique pourquoi il a abandonné ses projets d'adoption en 2012, « J'avais commencé les démarches, mais j'ai abandonné pour aider ma grand-tante dans ces dernières années », confie Laurent Kérusé à nos confrères. « J'avais comme une enfant à la maison. Les 6 derniers mois, j'ai placé son lit médicalisé au milieu du salon, face à la mer. Avec mes amis, on s'asseyait sur le lit pour trinquer avec elle. Je me levais très tôt pour lui faire son chignon, lui mettre sa robe ou son tailleur, son parfum, son rouge à lèvres. Je trouvais ça normal et ça m'a apporté beaucoup de choses. C'était des années magiques », conclut, ému, l'interprète de Thomas Marcy.